De quelle voiture la FC3S est-elle inspirée? Salut les gens, ici Darius et bienvenue sur All Motor Glory, la chaîne pour les passionnés de belles mécaniques. J'espère que vous allez bien, que vous avez le sourire, que ce soit les filles ou les gars. Alors aujourd'hui on va parler d'une voiture qui ressemble à une européenne, mais qui est signée Mazda et qui fait rototo lorsque l'échappement est modifié. Une des voitures emblématiques d'Initial D et dernier rival de l'anime One Gun Midnight, aujourd'hui nous allons parler de la Mazda RX-7 FC3S. Donc l'histoire de la RX-7 FC3S remonte après la Cosmosport. Mazda poursuit son parcours sur le moteur rotatif Wankel dont il détient le brevet. Le constructeur crée alors tous les modèles de RX que l'on connaît déjà, RX-3, RX-4, jusqu'à la lignée des RX-7 à partir de 1978, dont plusieurs générations se succéderont jusqu'en 2002, chaque nouveau modèle apportant plus de puissance et de consécration à Mazda dans le monde automobile. La Mazda RX-7 FC3S est la deuxième génération de la Mazda RX-7 après la FB3S, commercialisée à partir de 1996. D'ailleurs, petite anecdote intéressante, la FC avait un autre nom au Japon. On peut la retrouver sous l'appellation Mazda Savannah RX-7. La première génération, nommée RX-7 SA22 ou encore FB3S, a attiré sa révérence en 1986, la même année que l'apparition de la FC après 7 ans d'existence. Malgré ses bons et loyaux services, elle n'arrivait pas à s'affirmer face à la puissance des Porsche, et je ne parle pas du Porsche. Mazda met un terme à sa commercialisation pour laisser toute la place à sa petite sœur, bien plus intéressante. C'est donc ainsi que la Mazda RX-7 FC3S apparaît sur le marché. Mazda a alors deux objectifs lors de sa commercialisation. Le premier est de concurrencer Porsche sur les courses automobiles, et le deuxième est de satisfaire le marché américain qui était pris d'assaut. Par qui? Bien par Porsche, bien évidemment. Pour répondre aux objectifs, les ingénieurs japonais ont travaillé sur un modèle s'inspirant largement de la Porsche 944. Visuellement, le pari est réussi puisque les deux voitures sont assez semblables, avec un design plus carré pour la Mazda. Point de vue puissance et équipement, la FC3S n'est pas en reste. En effet, le premier modèle a une puissance fiscale de 15 chevaux fiscaux, ça fait mal, ainsi qu'un moteur Wankel constitué de deux rotors de 654 cm3, donc un moteur birotor de 1,3 litre, proposé en version turbo ou atmosphérique. Le moteur turbo lui permet de proposer 185 puis 200 chevaux sur les dernières séries. Pour le moteur atmosphérique, l'échappement est plus rock et la puissance est de 144 chevaux à 160 chevaux vers la fin, logique en l'absence de turbo. Côté tenue de route, elle a des freins à disque montés de série et un système de suspension de suivi dynamique appelé DTSS. Son équilibre parfait et sa légèreté en font une voiture idéale pour le drift. Mazda devait satisfaire le marché américain puisque c'est essentiellement sur ce continent que la première génération s'est vendue. La Mazda RX-7 FC3S est donc prévue dès sa conception pour le marché américain, d'où les ressemblances avec la 944 de Porsche affectionnée sur ce continent. Et le pari est réussi, puisque Mazda vend 86 000 exemplaires de ce modèle lors de sa première année de commercialisation aux États-Unis. Les ventes grimperont d'année en année, elles culmineront même en 1988. La Mazda RX-7 FC3S connaîtra un nombre incroyable de variantes. Ainsi, deux séries se suivront, la série 4 et la série 5. Elles permettront des améliorations spécifiques en matière de puissance, toujours dans le but de s'aligner sur les performances de Porsche. La série 4 sera produite de 1986 à 1988, et la série 5 se commercialisera de 1989 à 1992. La série 5 proposera à partir de janvier 1989 une RX-7 avec une puissance allant de 160 chevaux pour l'Atmo à 200 chevaux pour la version turbo, la vitesse de pointe pouvant ainsi atteindre les 240 km/h. D'ailleurs, chose à savoir, c'est que pour les modèles d'exportation, la motorisation est atmosphérique, alors qu'au Japon, seul le modèle turbo était disponible. Cela s'explique à l'époque par le fait que de nombreuses assurances des pays occidentaux pénalisaient les voitures turbo. Les ventes de ce type de modèle étant donc vouées à l'échec dans certains pays, Mazda a dû s'adapter pour que la FC3S se vende à l'échelle planétaire. Cependant, en Europe, et particulièrement en France, cette voiture s'est très peu vendue. Seul le modèle Turbo 2 a réussi à percer avec 25 ventes en moyenne par an.
notamment car les gens étaient craintifs sur la fiabilité du Wankel ainsi que sa consommation excessive en essence et en huile moteur. Pourtant, malgré son échec cuisant en Europe, la Mazda RX-7 FC3S est tout de même un succès. Elle s'est d'ailleurs beaucoup mieux vendue que la Porsche 944, son modèle d'inspiration. Le Japon ayant même eu le droit à des séries en nombre limité appelées Infini 1, Infini 2, Infini 3, Infini 4. Les différences entre chaque modèle sont minimes, mais elles restent toutefois plus puissantes, plus légères avec des suspensions améliorées et plus dures par rapport au modèle d'origine pour une meilleure stabilité. En 1992, la RX-7 FC3S prend sa retraite pour laisser place à la RX-7 FD3S, qui sera le centre de toutes les attentions chez Mazda jusqu'en 2002 et même après. Il n'en reste pas moins qu'avec la Mazda RX-7 FC3S, le constructeur signe encore un beau pari sportif en proposant des équipements innovants et adaptés aux besoins des acheteurs. Pour couronner le tout, la FC3S apparaît et deviendra encore plus célèbre en devenant la comète blanche d'Akagi dans le célèbre manga de Shunji Shigeno, Initial D, avec son conducteur Ryusuke Takahashi des Red Suns. Initial D. Initial D. Initial D. Mais la FC apparaîtra également dans l'œuvre de Michiharu Kozunuki, One Gun Midnight, sortie en 1993 en tant que voiture de Kochan et la voiture du présentateur automobile Koichi Kijima, ancien pilote de la Team Zero. Bien évidemment, si je me suis trompé, rectifiez-moi cela dans les commentaires, je compte sur vous. Et bien évidemment, n'oubliez pas le pouce bleu de l'amour si vous avez aimé la vidéo, ainsi que de partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner avec la petite cloche des notifs. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, comme d'habitude, bonne journée, bonne soirée, gardez le sourire, car c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, ce vont les 100% méca. Et à plus pour de prochaines vidéos les gens. En vérité, le futur coup, mamie préfère ce clip. Mais comme le KS Fana, il représente cette type, pas le skip. On est gothique, on reconnaît, sans oublier le décapit. Fait mal le moral, les poires orales, même à l'oral, fait mettre ton vocal. Paris vérité dans mes textes, ça fait faire ça, que c'est halam. Si je te viole, je dépucelle, c'est pas au corps, mais c'est à l'âme. Futur coup, un fait société, et à France, qu'à sa cité. Il est trop tard pour vous inquiéter, ils sont sans pitié.